vivant. Je viens glorifier Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Lorsque je t'ai venu ici, j'étais mourante. Même là, ma marie n'a qu'au le Même maman Marie et son mari me connaissaient et ils ne me reconnaissaient plus. Parce que j'entendais de voix. Donc Ezaki dimanche moro boyé na le bino qui n'existait pas dans Osambela na prier na na ndaku. C'était un dimanche, je me suis résolu à ne pas aller à l'église, de prier à la maison. Après la prière, j'ai entendu cette voix qui me disait, je suis le Seigneur Jésus. Il a commencé à me guider, à me conduire. Il me disait même, mets tel vêtement, fais ceci, fais cela. Toute la journée, cette voix me donnait des versets. Comme je n'avais pas l'Esprit du discernement, moi je me disais que c'était le Saint-Esprit qui me conduisait. Or que c'était des démons. J'étais possédé. Le premier jour où je suis venu ici, un dimanche, je suis passé au service de délivrance. Avant même ce service, je ne dormais pas. Ça faisait un mois, je ne mangeais pas, je n'avais plus d'appétit et je ne dormais pas. Après le culte le dimanche, je suis passé au service de délivrance, on a prié pour moi. Et il y avait un esprit qui avait parlé en moi. Et ce jour-là où je suis rentré à la maison, j'ai pu dormir. Mais cela continuait et ça s'empirait. Cette voix me disait que tu nous appartiens. Maintenant, le monde du ténèbre te réclame. Je suis revenu un mercredi dans le culte. Le pasteur m'a demandé de le rencontrer l'après-midi au bureau. Et au bureau, il m'a prié encore, il m'a fait encore la délivrance. Ses esprits encore sont sortis nombreux. En tout cas, nombreux, je vous dis, nombreux. En tout cas, je ne peux pas souhaiter cela, c'est que moi je veux qu'il y ait un autre. C'était difficile pour moi. Dieu a agi. J'ai récupéré ma santé. Et pourtant, j'avais carrément vieilli. Maintenant, j'ai retrouvé l'appétit et je dors. Et ce qui reste, moi, je me dis que ça ne me concerne plus parce que l'homme de Dieu avait dit, tu es déjà délivré. Et je suis libre. Voilà pourquoi je glorifie Dieu, je dis merci au pasteur Tony et à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Si je n'étais pas venu plus vite, j'allais mourir. J'allais d'abord commencer à attraper la folie et après j'allais mourir. Dieu a agi. Aujourd'hui, je suis vivant. C'est pourquoi je suis vivant. Acclame pour solo, Jésus. Très difficile. Elle se trouvait vraiment dans un cas difficile. Où est ton mari? Il n'est pas là. C'était un cas difficile. Elle entendait de voix en elle.
Et sa délivrance a pris plusieurs jours, comme elle vient de le dire. Mais nous continuons. Donc, elle avait ce que moi je peux qualifier de stock de démons. Elle était devenue comme un dépôt des démons. Toutes sortes des esprits. Mais que le Seigneur soit loué. Si je peux rajouter quelque chose, attends qu'enfants de Dieu, nous sommes ici, nous devons faire très attention, considérer que nos corps sont des temples du Saint-Esprit. Amen. Si nous n'avons pas une bonne conduite, c'est alors que nous donnerons accès au Satan de pouvoir s'introduire dans nos corps. Que le Seigneur soit loué de la manière que le Seigneur t'a délivré. Vous la voyez aujourd'hui, elle a retrouvé sa beauté. Si nous mettions les images lors, avant qu'on puisse faire la délivrance, vous n'allez pas la reconnaître. Attention, tu n'as pas le don de discernement, le diable peut venir à tromper Jésus. Je vais vous dire, tirez votre attention, de faire attention en disant que les esprits que vous entendez, c'est le Saint-Esprit qui me dit. Si vous n'avez pas l'esprit de discernement, vous devez faire très attention. Parce que l'esprit de l'erreur, l'esprit de l'hérésie, et il y a quand même un écos, transformer le corps de l'esprit en diable. Aux hommes, on appelle d'autres bien, après si on peut passer à la Bible, mais ce qu'on y habite est bon. Plusieurs personnes se sont égarées à cause de tels esprits qui sont l'esprit d'erreur, l'esprit de résie. Ils peuvent venir vers toi. Si tu n'as pas le discernement, tu ne le sauras pas. Il te donnera même de passages bibliques, mais après, il t'égarera. On lui donnait des versets bibliques, on la conduisait, on lui disait de recommander ça qu'elle faisait. Elle croyait que c'était Dieu qui la conduisait, or que ce n'était pas Dieu. Ça ne reviendra plus. Et qu'aux ongles sous souté au nom de Jésus-Christ. Nous acclamons pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Vous pouvez obtenir plus de renseignements en appelant les numéros affichés ou en écrivant à info@tonysilassi.be ou encore en visitant notre site qui s'affiche à l'écran.